Alors, monsieur le rapporteur, sur un sujet qui a déjà fait, comme dirait un de mes amis, couler beaucoup d'encre. C'est une demande de retrait à ce stade, puisque si le dispositif proposé par Madame Dubié améliore celui qui avait été adopté en première lecture, il ne prévoit pas de plafonnement pour la redevance avec un risque d'incompétence négative du législateur, comme l'ont souligné les rapporteurs au Sénat. Et par ailleurs, il ne répond pas à la question du choix de recourir à une redevance pour service rendu et non à une taxe. Donc il y a encore deux difficultés dans la rédaction qui m'amènent à vous demander de le retirer. À défaut, c'est un avis défavorable. Comme